Le lycée de New Bell en thème de symbole, c'est la jeune fille. Parce que c'est un établissement qui, dans ses premières années d'existence, recueillait en son sein que des filles exclusivement. Donc, chaque fois que l'on a parlé du lycée bilingue de New Bell ou du lycée de jeunes filles ou des autres dénominations, on voit en premier lieu la jeune fille. Belle comme une odyssée, l'histoire du lycée bilingue de New Bell démarre en 1940, en pleine période du mandat français au Cameroun. Tout commence avec la création de l'école primaire supérieure des jeunes filles de Douala. Cet ordre d'enseignement est établi depuis l'avènement de la Troisième République en France, avec l'adoption de la loi Guizot en juin 1833. Cette structure spéciale, ouverte aux titulaires du certificat d'études primaires, proposait un cursus de 3 années, précédé d'une année préparatoire comprenant une section générale et une section spéciale qui dispensait un enseignement purement technique. L'objectif final était de préparer la jeune fille à la vie active. L'histoire retiendra que c'est Aubert Henri Jean Puig, qui est le tout premier dirigeant de l'école primaire supérieure des jeunes filles de Douala, à sa création en 1940. De 1941 à 1948, Gaucher administre l'établissement dont l'appellation est désormais le Collège moderne des jeunes filles. À cette époque, une nationaliste camerounaise, Sarah Epangé, s'illustrera par la qualité et l'originalité de ses enseignements. Ensuite, de 1948 à 1961, Charlotte Michel prend les rênes de l'établissement. Sa mission sera de façonner une nouvelle génération de femmes africaines progressistes. Le Collège moderne des jeunes filles fait sa mue et devient le lycée des jeunes filles qui connaît un régime d'internat. Octobre 1976, le lycée devient mixte.
avec l'arrivée des premiers garçons dans ses murs. Cette même année-là, l'institution change de dénomination et s'appelle désormais le lycée de New Bell. Par allusion au nom de ce quartier populaire qui abrite ses installations. Dans le contexte camerounais actuel, l'insécurité résulte principalement de la concurrence que le groupe terroriste Boko Haram, qui s'est auto-baptisé État islamique en Afrique centrale, concurrence de Boko Haram qui remet en cause le monopole de l'État en matière de contraintes organisées. C'est pratiquement avec nous que l'habitude de voir des garçons et des jeunes filles fréquentées au lycée de New Bell s'est installée dans l'imaginaire collectif. À l'époque, il y avait aussi l'internat. L'internat qui aujourd'hui a peut-être disparu. Le passage au lycée de New Bell nous a laissé des souvenirs très colorés. Madame le proviseur, Thérèse Belle-Ewangé, qui venait peut-être de prendre la direction du lycée et qui avait instauré un esprit de discipline particulier. Je me rappelle que nous tressaillions à son approche lorsqu'on entendait seulement que le proviseur arrive. Cela nous faisait tressaillir parce qu'on savait qu'elle était imposante. Elle était à cheval sur les règles de discipline. À l'époque, le nom de l'établissement, c'était lycée de New Bell. Cette appellation ira jusqu'en 2009, année où les pouvoirs publics donneront un caractère bilingue à l'établissement. Dès lors, un changement de nom va s'opérer avec l'avènement du lycée bilingue de New Bell. L'esprit de ceux qui ont créé cet établissement, c'était déjà à cette époque de promouvoir l'approche genre pour ne pas laisser à la traîne les jeunes filles qui, dans la mentalité des Africains, étaient réservées au ménage. Donc il fallait promouvoir l'éducation de la jeune fille afin que celle-ci sorte de la cuisine pour éclore son talent, éclore son intelligence. Toute la première promotion, hélas, elles sont mortes toutes. La dernière, Madame Samba, Azan Madeleine, elle est morte dernièrement. Je crois que c'est cette année qu'elle est morte. Bon, leur deuxième promotion, non, il reste quand même une de leur promotion, Madame Gassin. La deuxième promotion, je crois qu'elle reste encore vivante, 5. Une en France et 4 ici. Et ce sont des femmes qui ont 90 ans, 91 ans. Bon, de notre promotion, nous ne vivons plus que deux. Madame était Kimbouma et moi. Et la troisième est en France. Sans passer dans cet établissement, Madame Changa Delphine, qui fut ministre dans ce pays, la feu Jeanne Irène Biya, qui fut également élève de cet établissement, il y a le commissaire Ndombol, qui fut parmi les premières dames commissaires dans ce pays. Il y a également, je pense, également au colonel Bell, qui est parmi les premiers garçons à intégrer cet établissement féminin. Il y a également Madame Belle Constance, épouse de Ona Grégoire, qui est une ancienne du lycée de jeunes filles. Il y en a plein dont les noms m'échappent, mais tout ce que je sais, c'est quand même que cet établissement a donné à ce pays de nombreuses têtes. Thank you.
cet établissement a eu la chance d'être dirigé essentiellement par les femmes. Il y a eu quelques hommes qui sortent de l'ordinaire, mais si vous regardez notre tableau, vous allez constater avec moi que l'établissement a pendant longtemps et jusqu'à ce jour été dirigé par les dames. Le lycée bilingue de New Bell est un lycée vieux de 75 ans. Nous dirons que c'est un bel héritage parce que avoir cette grâce ou cette opportunité n'est pas chose courante. C'est un lycée aujourd'hui, contrairement aux années antérieures, qui a un effectif d'environ 3900 élèves. Un lycée qui a à sa tête un proviseur, que je suis, qui a un personnel administratif, peut-être pas encore assez suffisant, mais quand même important, parce que nous avons 12 censeurs et ne perdons pas de vue que c'est un lycée bilingue. Donc nous avons 3 vice-principals et 9 censeurs dans la sous-section francophone. Nous avons 8 surveillants généraux, nous avons un intendant, nous avons une infirmerie, dont un infirmier, nous avons des chefs de service, des sports, de l'orientation scolaire, nous avons une bibliothèque avec un bibliothécaire, nous avons un personnel d'appui, donc 10 surveillants de secteur, nous avons tout ce qu'il nous faut pour manager cet établissement. Alors, Italien. Parce que je leur ai dit que c'est arabe ou italien. Maintenant, c'est pour payer. Le jeu du ballon en dehors des heures de sport, que nous n'aurons presque plus. Le jeu du ballon est interdit dans le lycée. Et je m'adresse à nos chers élèves de 6e. Tout élève pris en train de jouer en dehors des heures de sport sera traduit au conseil de discipline. Et sachez également que puisque nous ne serons pas autorisés à jouer en dehors des heures de sport, il est interdit de voir des élèves déambuler dans le lycée avec la tenue de sport. Therefore, the baccalaureate and the GC ordinary level will begin on the 1st of June. Le surveillant général, c'est le garant de la discipline. Sans la discipline, on ne peut pas espérer un succès, sinon un pourcentage de réussite acceptable. Nos missions sont surtout de canaliser les énergies débordantes des enfants de nos jours. On essaye donc de sensibiliser ces enfants sur ce qu'ils ont à faire ici et comment ils doivent se comporter. Son travail commence très tôt chaque matin avec l'ouverture du portail à 6h30 ou à 6h45. Les surveillants généraux, avec leurs collaborateurs, avec leurs collègues les censeurs, veillent à ce que tous les élèves qui entrent doivent être corrects. La tenue vestimentaire, la propreté corporelle. Voilà les choses que nous regardons chaque matin quand les enfants entrent en classe. Mademoiselle, allez tresser ça. Ils veillent premièrement sur la ponctualité des élèves et du personnel et également sur leur assiduité. Le premier volet du travail de surveillance générale est celui du conseiller. Quand la faute est lourde, référer au conseil de discipline où les enfants sont entendus ensemble avec les témoins en présence des parents et les sanctions sont appliquées selon le règlement intérieur.
manière générale, un censeur s'occupe de la pédagogie, quel que soit le niveau, c'est-à-dire quelles que soient les classes, il s'occupe de la pédagogie. Ça veut dire les enseignements, s'occupe, vérifie si les enseignements sont couverts, si les enseignants font effectivement ce qu'ils doivent faire dans les salles de classe, si le taux horaire, parce que chaque enseignant a un nombre d'heures par semaine dans une classe, le taux horaire est couvert. Ça, c'est le rôle du censeur. Vérifier donc en fait que les enseignements sont bien dispensés. So we make sure that the teachers are always there. We make sure that the program is covered. The scheme of work is followed by the teachers. And we have to do a systematic control for all the subjects. Like in the Anglophone subsystem, just like in the Francophone section, the subjects are divided. The vice principals are given various departments which they are responsible. As Dean of Study, we have at the beginning of the year to prepare and make available all the pedagogic documents. When we talk of pedagogic documents, we have the logbooks, we have registers, we have forms for logbook control, we also have classroom visits. So for the school year to be a successful one, we practice pedagogy of proximity. We sometimes go down to classrooms to see whether the lesson is assimilated by the student. We ensure smooth organization on running of promotion and official exams. Play what? Part two is what? Part two. We have the body. Okay. On the body now, we like the two sides of the opinion. How do you start? Le bilinguisme est une réalité telle qu'elle évolue, c'est-à-dire que nous avons deux sous-sections, une sous-section francophone et une sous-section anglophone. Mais nous, à notre niveau, nous nous employons à ce que le bilinguisme soit effectif en ceci qui ne soit plus parallèle, c'est-à-dire que nous ayons des élèves qui parlent seulement anglais et d'autres qui parlent seulement français. Et pour cela, nous nous employons à le démontrer à travers notre répartition même des salles de classe. Parce que nous, quand vous arrivez dans nos bâtiments, il vous sera difficile de distinguer quelles sont les classes anglophones et quelles sont les classes francophones, parce que tout est mélangé. Conjugaison, il y a des choses qui ont changé, n'est-ce pas? Vous appelez ça communément le quartier vers les terres. Donc ça, un mollusque. Parce qu'il n'a pas d'eau. Nous mettons un accent sur le parler parce que nous souhaitons que tous nos élèves soient effectivement bilingues. Nous avons des salles informatiques que nous avons essayé d'arrimer au bout du jour, c'est-à-dire que nos salles d'informatique ont Internet. Ça fait que nos élèves peuvent naviguer, ils peuvent surfer, comme tous les autres élèves, même si nos salles ne sont pas dites multimédia. Au niveau de notre salle des professeurs, elle est arrosée par un réseau Wi-Fi, tout comme notre bibliothèque, où les élèves peuvent consulter des documents en ligne. La bibliothèque ouvre ses portes à 7h30 et les ferme à 16h30. Ça fait environ 9 heures de cours. Nous avons au total 5640 documents, parmi lesquels 2300 manuels scolaires, environ 1500 encyclopédies et le reste c'est des romans dans tous leurs genres.
Comme dans tous les autres établissements secondaires du Cameroun, se trouve un chef de service des sports responsable du département DPS du point de vue pédagogique, c'est-à-dire le suivi des enseignements, le suivi des cours tout au long de l'année, les conseils pédagogiques et la programmation des enseignements. Du point de vue examen officiel, c'est lui qui coordonne le déroulement des examens officiels. Et immédiatement sous les épreuves pratiques DPS, immédiatement sous la supervision de Madame le Proviseur. Doucement, doucement, orientez vos passes. Évitez de trop bavarder. Nous sommes dans le cadre de travail manuel. Ce n'est pas seulement au village qu'on trouve les enfants au champ. On les apprend à s'exercer. Apprendre à faire un champ, que ce soit un champ de maïs, que ce soit un champ de pistache, que ce soit un champ de légumes. Il y a 40 ans, 50 ans, lorsqu'on comptait les établissements dans cette république, le lycée de Nouvelle était parmi ceux que l'on citait. C'était un bel établissement. C'était un établissement à grande renommée. Toutes les jeunes filles rêvaient d'être élèves de ce lycée. J'ai appris une discipline de vie étant à l'internat. Dans les dortoirs, il fallait ranger nos lits, dresser les lits. Il y avait même le concours du lit le plus bien dressé dans les dortoirs. Chaque fois qu'on me déposait, le chauffeur me déposait, je cherchais Taoui dans tout le lycée, je lui donnais soit mon jus, soit pour qu'il me protège. C'était le plus vieux de ma classe. Et moi, je prenais pour appui Taïou. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je vois Taïou, je lui réclame mes sandwichs. Mesdames et messieurs, depuis le 17 novembre 2014, il m'a été échu la responsabilité de diriger cet établissement après le départ de Madame Esson Doumbé, épouse non homme décédée, mais laissant un programme amorcé autour de la célébration des 75 ans d'existence de cette illustre institution. D'après le dictionnaire universel, restaurer signifie réparer, remettre en son état premier, rétablir.
Dès lors, on comprend qu'on ne peut que restaurer ce qui a perdu sa valeur, tant matérielle qu'immatérielle. À chaque entité à restaurer correspond un cadre bien précis. Je suis Antilope et Amaline, ancienne du lycée de jeune fille et ancienne du lycée de Nouvelle. Donc j'ai fait de la sixième en terminale effectivement. C'est un lycée que je connais de fond en comble. Vu la rompage de vos personnalités qui ont pris la parole avant moi, je suis légitimement supposé que beaucoup sera fait dans le cadre des associations des anciens élèves qui, comme vous le voyez, sont fortement représentés et à des niveaux très 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 importants de responsabilité. Aujourd'hui, sous le poids de l'âge, il a vieilli. Cet établissement est fatigué. Cet établissement a besoin que l'on le relève. Mon vœu, c'est de revoir cet établissement. Peut-être pas être ce qu'il a été, mais se rapprocher de ce qu'il a été
dans ces années, dans ces belles années-là. L'effectif que nous avons aujourd'hui pourrait correspondre à la taille de l'établissement. Je dis pourrait parce que le lycée est devenu bilingue. Donc en fait, c'est deux établissements en un. Et les bâtiments n'ont pas augmenté autre mesure. Ce qui est devenu lycée bilingue de Newbell aujourd'hui, c'est l'ancien lycée des jeunes filles, qui avait un internat, qui avait un gymnase, qui avait une cuisine, qui avait un peu de tout. Et aujourd'hui, le régime d'internat n'existant plus, nous avons fait ce qu'on appelle de la récupération. Nous avons transformé tous ces bâtiments qui servaient d'internat, de réfectoire et tout le reste en salle de classe. Nous sommes en train de poursuivre notre œuvre de transformation de tout ce que nous avons. Mon plus grand souhait, c'est que cet établissement retrouve la sécurité et la salubrité. Il se trouve quand même dans un quartier assez populeux et les mentalités sont telles que le respect de la chose publique a foutu son camp. Cet établissement, on ne le respecte plus. On pisse sur les murs, on jette les ordures tout autour de l'établissement. Je souhaite que tous ceux qui côtoie cet établissement, accorde un peu plus de respect à cet établissement afin qu'on ait le plaisir à s'y retrouver. Je connais des camarades qui me disaient que quand elles passent au niveau du lycée de Newbell, elles détournent leur regard parce qu'elles ont mal de voir ce qui se passe autour de cet établissement qui aura fait d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. Il faudrait que les gens en passant aient du plaisir à regarder ce lycée, aient du plaisir à admirer ce bel établissement. Voilà le souhait. Et que nous pensions tous à nous y retrouver avec beaucoup de plaisir. Que l'on s'inscrive dans la tradition des institutions de formation américaines où les anciens élèves qui ont fait fortune dans différents segments et secteurs de la vie nationale reviennent exemplifier leur succès devant les élèves et apportent leur contribution pour l'amélioration des conditions de formation dans les établissements. Aux États-Unis, cela se vérifie dans les établissements secondaires, autant qu'à l'université. Il y a d'ailleurs des salles qui sont baptisées des noms de hautes personnalités américaines qui ont fréquenté, par exemple, Madeleine Albright. Albright a son image, son effigie et même sa salle à l'université de Princeton. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tout le monde, même s'ils n'ont jamais été dans ce lycée, il faut que tout le monde s'y mette pour pouvoir restaurer ce lycée. Le vœu que nous formulons, c'est celui de voir notre établissement retrouver sa, je ne dirais pas dignité parce qu'elle ne l'a pas perdue, mais retrouver l'éclat que nous avions avant. Et pour cela, nous en appelons à toutes les forces vives, que ce soit les autorités gouvernementales, les anciens élèves de cet établissement qui, nous espérons, penseront à venir redonner un peu de ce qu'ils ont reçu
de cet établissement pour que les générations futures puissent en bénéficier. La célébration de ce 75e anniversaire, dont le thème est la restauration une nécessité, est un vibrant appel à toutes les bonnes volontés afin de redonner à cet établissement prestigieux sa renommée et son aspect d'antan, afin que cette institution scolaire soit non seulement une manière de faire, mais aussi une manière d'être. Nous te souhaitons joyeux anniversaire, joyeux.